Take a moment for yourself. Get close with the lights down low. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens dans une vidéo à maquillage, make-up. Putain, je suis assise en mode chaise longue, petite limonade, c'est parti. Bref, je reviens donc voilà dans une vidéo maquillage. Alors ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo maquillage sur ma chaîne. Voilà, alors c'est comment avoir un teint parfait. Alors je ne dis pas que j'ai le teint parfait. Si je l'ai, il faut se le dire. Non, je déconne. Alors j'avais les yeux déjà maquillés quand j'ai commencé à me faire le teint, parce que je ne supporte pas ma tête démaquillée. En ce moment, je sais pas, j'ai une tronche de cake. Putain, je ressemble à rien, c'est une horreur quoi. La tronche de cake, expression non utilisée depuis les années 1900 80. Je sais, je mets pas mal de produits sur mon visage, machin. J'ai pas envie d'avoir des commentaires en mode « Ah mon dieu, mais tu mets trop de produits sur ton visage !» Écoutez, je me maquille comme ça, j'ai de moins en moins de boutons en plus, donc je suis super contente de dingue. Voilà, je pense que l'adolescence commence à partir loin. Bah c'est ça, va-t'en et ne reviens jamais s'il te plaît. Je veux pas que tout le monde se maquille comme moi, dans le sens où voilà, pour avoir un teint parfait, faut vraiment utiliser tous ces produits. Non, bien sûr que non, c'est vous faites comme vous voulez, vous mettez votre bébé crème et puis un peu de mascara et voilà, vous partez de chez vous. C'est juste moi, je me maquille comme ça, je voulais juste vous montrer ma façon un peu de me maquiller. Je veux pas, comment dire, les jeunes qui me regardent 13-14 ans, je vous incite pas à vous maquiller comme moi, à faire le contouring, le blush, etc. Machin, franchement, vous faites comme vous voulez, comme ça c'est la vie et c'est pas le paradis. Enfin bref, bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère vraiment que ça va vous plaire et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire. Voilà, j'ai fait mon petit disclaimer, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye. Alors voilà, on se retrouve en voix off. Alors bien sûr, le jour où j'ai décidé de filmer cette vidéo, j'avais des boutons sur le visage, génial. Bref, j'applique ma crème Effaclar Matte de La Roche-Posay, qui est vraiment parfaite comme base à maquillage, je la trouve géniale. Alors après, j'utilise une base, donc comme vous voyez, de chez Givenchy, Mister Matte, qui est complètement nulle à chier, je ne vous la recommande pas du tout. Par contre, les bases, j'en applique pas tous les jours. Là, c'était un peu exceptionnel, on va dire, pour la vidéo. Souvent, j'utilise en fait un fond de teint matifiant. Et là, j'utilise en fait un fond de teint tout à fait normal. C'est le HD de chez Make Up For Ever. Voilà, il matifie pas spécialement le visage. Donc, c'est pour ça que j'ai mis une base. Et j'utilise le pinceau Straight and Wavy, qui est très très bien, toujours de chez Make Up For Ever. Après, j'utilise un concealer, le Full Cover de chez toujours Make Up For Ever. Il est vraiment génial, il est parfait. Enfin, je le trouve vraiment génial. Après avoir appliqué mon concealer, je vais bien sûr matifier le tout avec ma poudre HD et mon énorme pinceau de chez Make Up For Ever et la poudre aussi de chez Make Up For Ever. Après, je viens faire le contouring de mon visage avec cette poudre de soleil de chez Givenchy. Elle est vraiment parfaite, ça donne bonne mine, c'est vraiment génial. Je viens fondre le tout avec mon énorme pinceau de chez Make Up For Ever qui est tout doux car j'ai des énormes traces oranges sur le visage. Bref, et après j'applique mon blush de chez NARS qui est le orgasme et qui est vraiment génial. Je l'aime, c'est incroyable, il fait un peu highlighter en plus. Enfin bref, je passe aux yeux et j'utilise un crayon de chez Dior. Il n'est pas transcendant, je vous le recommande pas, il fait pas très très naturel mais bon, j'essaye de le finir. Comme vous avez pu le remarquer, ou peut-être pas, j'ai fait épiler mes sourcils, voilà. Enfin fini les critiques sur mes sourcils, j'espère. Et je suis très contente de la forme, enfin j'aime beaucoup. Après j'applique un baume à lèvres, c'est le Rêve de Miel de chez Nuxe. Et je fais quelques retouches vite fait sur le maquillage des yeux. Cette vidéo est presque terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires et dites-moi surtout comment vous faites votre teint car ça m'intéresse vraiment énormément. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye !